Alors, il y a plusieurs comportements qui ne sont pas acceptables quand on est sérieusement avec quelqu'un, quand on est dans une chose sérieuse, c'est-à-dire quand on veut épouser quelqu'un, quand on est marié, quand on est... Voilà, vous comprenez de quoi il s'agit. Plusieurs choses sont des variantes de tromperie que beaucoup de personnes négligent. Vous trompez certainement ou probablement votre partenaire si vous faites ces histoires. Numéro 1. Si vous passez régulièrement du temps seul avec une personne que vous trouvez attirant, ce n'est pas acceptable. Je comprends que, voilà, il y a des gens qui peuvent... Non, passer du temps avec quelqu'un qu'on trouve attirant. Passer du temps régulièrement avec une personne que vous trouvez attirant, c'est tromper. Oui, c'est tromper. Pourquoi? Parce que même si tu n'as pas touché la personne, même si vous n'êtes pas embrassé, vous n'avez rien fait de physique, le simple fait d'être en présence, à proximité d'une personne que vous trouvez attirante, c'est tromper. Pourquoi vous allez chercher cette personne si vous la trouvez attirante? Vous trouvez la personne attirante. Pourquoi vous allez vous asseoir à ses côtés parce que vous la trouvez assez trompée? Est-ce que votre partenaire serait content si votre partenaire savait les enjeux qu'il y a? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que mon partenaire serait content, sachant que je suis attiré par cette personne, de passer du temps avec elle? Si la réponse est non, vous êtes en train de tromper. Numéro 2. Vous êtes probablement en train de tromper si vous cherchez constamment la validation d'une autre personne. Vous êtes en train de tromper si vous cherchez d'être validé par une autre personne. C'est-à-dire, vous habillez bien, vous voulez qu'une personne spécifique vous voie. Ils disent, ah, tu es bien habillé. Cette validation te fait du bien. C'est la tromperie. Vous trompez déjà. Vous êtes infidèle. Oui, oui, oui. Beaucoup de personnes pensent que l'infidélité se limite à la chambre. Hein. Ce n'est pas ça. L'infidélité commence dans des très petites choses. Vous cherchez la validation. Vous avez un Instagram ouvert où vous cherchez des likes. Pourquoi vous cherchez des likes? D'abord, pourquoi votre Instagram est ouvert? Pourquoi votre Instagram est public? Vous n'êtes pas une personnalité publique. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas actrice. Vous n'êtes pas musicienne. Vous n'êtes pas commerçante ou businesswoman. Pourquoi votre Instagram est public? Vous cherchez quoi? Non, attendez. Vous cherchez que qui vienne liker vos histoires? Vous cherchez que les étrangers likent vos histoires. Et généralement, vous cherchez que ce soit un homme qui like vos histoires. Ça fait, les pulsions sont pas les mêmes. Si une fille like et un homme like, un homme bien, un homme beau, un homme aussi qui a un Instagram ouvert avec sa belle voiture, vous aimez ça? Ah, il m'a validé. C'est trompé. Oui. Chercher constamment la validation d'autres personnes à côté ou à part de votre personne, c'est trompé. Il faut arrêter ça. Numéro 3. Développer des sentiments émotionnels avec une personne, avec des interactions en ligne, c'est tromper. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, quand vous êtes la femme de quelqu'un et qu'un étranger vous dit « Salut » sur Instagram, « Comment tu vas ? Tu parais bien ?» ou tout ça. Pourquoi vous répondez ?« Salut, comment tu vas ? Tu es bien habillé ?» Pourquoi tu réponds ? La femme de quelqu'un ne répond pas. Oui, je pourrais comprendre, vous ne savez pas ce qu'il veut vous dire. Peut-être qu'il veut dire « Salut », vous pouvez dire « Salut » aussi, si ça vous dit. Mais à partir du moment qu'il dit « Tu parais bien, tu as bonne mine ou tu es belle », La femme de qui d'ailleurs une personne que vous ne connaissez pas, généralement, en général 9 sur 10, vous ne répondez pas. C'est juste le 0,1 là que vous répondez en cas de difficulté ou peut-être vous êtes coincé dans un milieu où c'est le petit hasard. Hein, on laisse le petit hasard, disons on ne sait jamais. Et ça pourrait être un cousin éloigné ou ça pourrait être une personne qui cherche mon père. Mais une personne qui cherche votre père ou votre cousin ou votre cousine dira clairement mon nom est Gilbert. Je suis ici parce que j'ai travaillé avec votre père en 1996. Je le cherche et voilà mon numéro, n'est-ce pas? Il le dit clairement, il montre ses intentions. Une femme de quelqu'un ne répond pas aux étrangers. Oui, si votre femme répond aux étrangers, il faut commencer à fouiller. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est en train de faire ça, mais attention. 4. Vous êtes probablement en train de tromper si vous avez des conversations intimes avec des collègues de travail sur votre vie ou sur des relations. Oui, vous êtes en train de tromper. Au fait, vous savez, chez les Anglais, les anglophones, ils ont ce qu'on appelle work husband. Il y a work husband, work wife. Oui, oui. Dans beaucoup de pays africains, qu'ils ont copié évidemment l'idéologie anglo-saxonne, ils ont ce qu'ils appellent work husband. C'est une personne généralement de sexe opposé avec qui on passe beaucoup trop de temps. On est tout le temps avec cette personne. Et Luc vient, tout ça. Enfin bref, comme let's go, voilà, ils passent toujours ensemble. Ils vont manger ensemble pendant les breaks, ils sont ensemble, toujours en train de discuter. Même s'il n'y a vraiment rien de comme ça. Le work husband, c'est du n'importe quoi. Il ne faut jamais accepter ça. Si vous vivez dans un pays anglophone et que votre compagne vous dit « That's my work husband », il faut recadrer ça avec une farouchité incroyable. C'est de la bêtise. Bon, on comprend encore une fois. Hein, parce que généralement, quand vous êtes au boulot, vous passez beaucoup plus de temps. Si vous êtes travailleur, vous passez beaucoup plus de temps au boulot que vous passez à la maison. Voilà. Donc, la personne avec qui vous passez plus de temps au travail, peu à peu, vous commencez, vous pouvez, pourriez commencer à développer des sentiments ou quelque chose. Tu arrives au boulot, tu commences à parler de ton mari à un monsieur là pour qu'il te donne des conseils. C'est de la bêtise.
Pourquoi il peut te conseiller ta vie pendant que lui, sa vie, tu ne connais pas? Il faut aller chercher quelqu'un d'accrédité, une personne à qui tu fais confiance réellement. Je peux comprendre, à moins que ton mari connaisse cette personne ou ton mari ait déjà interagi, discuté, ton mari ait validé cette personne. Si ton mari n'a jamais validé cette personne, tu es en train de faire la bêtise. C'est inacceptable. Un homme, un vrai, ne peut pas accepter ces telles histoires. Donc, avoir des conversations personnelles ou des blagues intimes. « Oh, tu vois, moi, si on me prend dans ma chambre. » Oui, vous racontez ces histoires. Moi aussi, j'ai déjà travaillé avec des gens. Oui. Les femmes en train de dire « Ah, moi, si on me prend comme ça, ça va, mais c'est la femme de quelqu'un. » Comment tu peux raconter des bêtises par « Tu es la femme de quelqu'un, mariée, à la maison. » Tu viens au boulot avec tes collègues. « Et moi, quand on me prend comme ça, c'est ce qui me fait vraiment bien. » Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi cette saleté mentale? Numéro 5. Vous lancez dans des activités secrètes ou des hobbies ou des passions avec une personne de sexe opposé à l'insu de votre partenaire. Vous êtes en train de tromper. Oui. Vous allez jouer au tennis. Oh chérie, je veux jouer au tennis, mais il y a quelqu'un là-bas que tu suis. Tu es même monsieur là, tu es déjà en train de faire des bêtises. Je veux faire le sport. Tu vas dans la salle de sport parce qu'il y a un monsieur que tu sais, il vient à 16h. Tu veux seulement commencer à le regarder. Tu es en train de tromper. Tu vas à la salle de sport parce que l'entraîneur, c'est un joli garçon, tout ça. Tu es en train de tromper. C'est valide aussi pour les hommes. Numéro 6. T'envoyer des messages subtils à une autre personne, trop gentil, à une autre personne, à part votre partenaire. C'est trompé. Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, porte-toi bien, tout ça. La question, c'est même pas le message. La question, c'est est-ce que si mon partenaire ou mon mari voyait ces messages, comment il s'y sentirait? J'ai vu une fille qui disait à quelqu'un, son mari a trouvé un I love you dans le téléphone. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ah non, ne t'en fais pas, c'était un I love you neutre. C'est-à-dire, ça ne vaut rien. C'est juste un ami du boulot. C'est un I love you neutre, c'est-à-dire quoi? Peut-être que tu l'aimes vraiment pour de vrai. Il y a des choses qu'on préfère dire qu'écrire, vous voyez. Et aussi, il faut se poser la question clairement pour savoir, est-ce que si mon homme savait que je disais ça à cette personne, il n'aurait aucun problème avec ça? Est-ce que si ma partenaire voyait ça, elle n'aurait aucun problème avec ça? Si dans votre esprit, vous vous dites déjà que non, il ne sera pas content, vous êtes en train de tromper. Vous êtes certainement en train de tromper si vous passez du temps, encore une fois, à partager vos histoires de famille, vos histoires de relations, de mariage avec une personne qui n'est pas votre mari. Et vous parlez des particularités de ce qui se passe. Moi, j'aime quand mon mari me fait ça, quand il me met ça. C'est sale, c'est la bêtise, il faut arrêter ces histoires. Les hommes aussi, hein. Vous êtes en train de tromper, vous parlez avec une femme, elle est peut-être, comment vous appelez ça? C'est une femme, elle est vos genre de femme, c'est une femme propre, et vous parlez d'une certaine façon, c'est déjà commencé à tromper. Tromper, ce n'est pas seulement, encore une fois, c'est déshabiller. On commence à tromper déjà très loin, c'est les yeux qui trompent d'abord. Ah oui, hein. C'est le regard, ah j'ai vu, ah lui là, il est meilleur que moi. Oui, c'est là qu'on commence, il faut savoir se maîtriser. Encore une fois, en récapitulation numéro 1... Passez du temps avec une personne que vous trouvez attirante. Vous êtes en train de tromper. Cherchez constamment la validation de l'autre personne, essentiellement le sexe opposé. Vous êtes en train de tromper. Développez des connexions émotionnelles avec une personne en ligne, qui est autre que votre partenaire. Vous faites quoi? C'est quoi ça? Trompeur. Avoir des conversations intimes avec un collègue de travail. Inacceptable. S'engager dans des activités secrètes, à l'insu de votre partenaire, évidemment, avec une personne de sexe opposé. Vous êtes en train de tromper. Oh, je pars à la bibliothèque, c'est pour aller rencontrer Richard ou Josapha. Vous êtes un trompeur. Envoyez des messages un peu trop gentils, genre sexy, mais à la barrière. Vous êtes en train de tromper. Vous confiez à une personne autre que votre partenaire sur vos histoires personnelles de vie. Vous êtes en train de tromper. Je sais que j'ai oublié d'autres choses, mais en tout cas, bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir.